Corvéable à merci, sous-payé, peu reconnu, les précaires de la fonction publique étaient aujourd'hui dans la rue. Certains sont sur des postes permanents depuis 10 ans. Ils remplacent dans les faits des titulaires, mais n'ont pas le salaire ni les avantages. Actuellement, on compte 1050 précaires dans l'Académie de Toulouse au niveau de l'enseignement. Si on parle des parents d'élèves, si l'on parle des élèves, la précarité n'est pas connue dans l'éducation nationale, elle est cachée. Elle est cachée, donc il nous appartient bien sûr, maintenant qu'elle devient énorme et qu'elle sera de plus en plus énorme vu la disparition de milliers de postes, il va bien falloir faire reconnaître ce qu'il en est. On sait aussi fort bien que la fonction publique est en danger. Donc nous, ce que nous revendiquons avant tout au niveau de la CGT, c'est la titularisation de tous les contractuels sans condition. N'oublions pas les AVS, les auxiliaires de vie scolaire, qui accompagnent les enfants handicapés dans le circuit classique de l'éducation et qui dépendent de contrats privés, des CDD de 6 mois renouvelables, sans aucune assurance de pérennité d'emploi. Et pour tous ces oubliés du monde du travail, les citoyens peuvent se mobiliser demain, jeudi, pour la journée nationale contre la précarité dans la fonction publique.